Cette année encore, vous êtes venu sur cette montagne pour vivre ces jours dans un cénacle continu de prière et de fraternité avec votre maman du ciel. Vous êtes venus si nombreux, évêques et prêtres de mon mouvement, de toutes les parties de la terre. Je vous regarde avec la complaisance d'une maman qui est écoutée, suivie et glorifiée par vous. Je m'unis à votre prière que je recueille entre mes mains pour la présenter devant le trône de la très sainte et divine Trinité. Je vous aide à vous aimer comme des frères pour que Jésus puisse avoir la joie d'avoir vécu parmi vous son nouveau commandement. Je fais descendre dans vos âmes la rosée céleste de la grâce, de la miséricorde, du réconfort, de la joie, de la paix. Suivez-moi sur la route qui vous conduit au grand jubilé, sur les traces que mon pape Jean-Paul II vous a indiquées. Laissez-vous porter dans mon cœur immaculé à la rencontre de Jésus-Christ, votre Rédempteur, votre unique Sauveur. Jésus-Christ est l'unique Sauveur, parce qu'il est le Verbe éternel du Père qui s'est incarné dans mon sein virginal, qui est né, qui a grandi et qui est mort sur la croix pour votre rédemption et votre salut. Jésus-Christ est l'unique Sauveur, parce qu'il est la vérité. Parfaite image du Père, sa parole éternelle, il vous apporte le don de la divine vérité. Sa vérité est contenue dans l'Évangile. Fils de prédilection, soyez de fidèles et forts annonciateurs de l'Évangile. Voyez comme la vérité contenu dans l'Évangile est obscurci par le rationalisme, déchiré par les erreurs qui se répandent toujours plus. Ainsi, beaucoup s'éloignent de la vraie foi. Vivez à la lettre l'Évangile de mon Fils Jésus. Annoncez à la lettre l'Évangile que vous vivez. Ne cessez pas de diffuser sur le monde, envahi par les ténèbres de l'erreur et de l'apostasie, la lumière de la vérité. Soyez, vous et les apôtres de la nouvelle évangélisation, dans un monde devenu païen, presque 2000 ans après la première annonce de l'Évangile. Jésus-Christ est l'unique Sauveur, parce qu'il est la vie. Il possède la vie parce qu'il est Dieu. La vie est donnée par lui à tous parce qu'il l'a obtenue en s'immolant sur la croix pour vous. La vie vous vient par la grâce qui vous rend participant de la nature divine. Fils de prédilection, devenez, vous, les ministres de la grâce. Devenez, vous, les porteurs de la vie. C'est pour cela que je vous demande d'être diligent dans l'administration des sacrements que Jésus vous a confiés. Soyez surtout disponible pour le ministère de la réconciliation, aujourd'hui si délaissé dans de nombreuses parties de l'Église. Soyez, vous, les ministres de la divine miséricorde. Que par vous, prêtres consacrés à moi, ma tendresse maternelle descende sur tous. Cherchez les éloignés, soutenez les faibles, pardonnez aux pécheurs, consolez les affligés, apportez réconfort aux malades, conduisez les incertains.
protéger les petits. Prenez-les tous dans vos bras sacerdotaux et portez-les dans le refuge assuré de mon cœur immaculé. Jésus-Christ est l'unique Sauveur, parce qu'il est le chemin. C'est lui qui vous conduit au Père dans son esprit d'amour. C'est lui qui vous mène sur la route du bonheur parfait et éternel. C'est lui qui prépare pour vous le moment attendu de votre ultime rencontre dans la splendeur de sa gloire divine. Jésus-Christ est le seul chemin qui conduit au paradis. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel en qui on puisse trouver le salut. L'humanité marche sur le chemin de sa rencontre avec lui. Ce qui se produira lorsque Jésus reviendra dans sa gloire pour faire advenir son règne dans le monde. Marchez dans l'attente joyeuse de sa venue. Franchissez le seuil de l'espérance et vivez dans la paix, dans la joie, dans la sérénité, dans la confiance et dans votre filial abandon. En ces jours de Cénacle, l'Esprit du Seigneur est descendu sur chacun de vous et il a déposé dans vos cœurs et dans vos âmes le charisme de ses dons. L'Esprit Saint vous a confirmé dans votre vocation et vous a donné lumière et force dans l'accomplissement de votre ministère sacerdotal. Soyez de fidèles annonciateurs de la vérité. Soyez de diligents porteurs de la vie. Soyez lumière d'espérance et de confiance pour tous. En ces jours, j'ai refermé tant de blessures. J'ai déposé un baume de réconfort sur de nombreuses amertumes. J'ai essuyé des larmes cachées. J'ai inspiré de bonnes résolutions. J'ai transformé les cœurs. Fils de prédilection, sortez de ce cénacle dans la paix et la joie. Devenez les instruments de ma paix dans toutes les parties du monde. Je suis toujours avec vous. Je me manifeste à l'Église et à l'humanité par vous. Par vous s'accomplit tous les jours le triomphe de mon cœur immaculé dans le monde. Avec ceux qui vous sont chers, avec ceux qui ont été confiés à votre ministère, je vous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.